Oh, attention. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, car comme vous pouvez le voir, on est en bike park. Derrière moi, il y a les remontées mécaniques et on est au bike park de Tignes. C'est un bike park énorme avec des sauts sur certaines pistes qui avoisinent les 10 mètres. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti, bon visionnage. Send it. Oh, c'est hard, c'est quoi ce truc? Ok, tranquille. Ah, ça fait du bien, on a fait une petite pause. Petite pause poisson. Voilà, c'est hard. Oh, c'est chaud! Oh, attention! Oh, j'ai fait écraser Victor! Mec, j'ai failli t'écraser. Non, je t'avais vu, je savais que t'allais sauter. Ok. Putain, je... Allez, on est reparti sur la Kangoo Ride avec Victor. On a bien kiffé l'affaire tout à l'heure, donc cool. On repart. Hein. Cette fois, on va essayer de sauter encore plus de trucs. Let's go, man. Whoa. Là, je viens de trouver un petit freeride. On va prendre là et mettre un gros appui là-bas. Je sais pas ce que ça va donner. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Tellement pas assez de vitesse en plus, ça a tout ondulé. Avec Victor. Là il y a le télésiège qui vient d'arriver, là c'est la petite piste et on a trouvé un petit free ride là sur la crête. On va voir ce que ça donne hein. Allez vas-y send it. Allez. On va essayer de pas se la coller. Ah c'est chaud, c'est bien engagé.
Oh, c'est passé, hein. C'est passé, par contre, c'est bien chaud. Oh, c'était chaud. T'as vu le câble? Bon, bah là, on vient d'arriver sur la piste élite. C'est la Scarefress. Allez, mec, je fais tout à vue, là. C'est découverte en même temps que je saute. Oh, la marmotte! Regardez-la. C'est caché. C'est caché pile poil au bon endroit. Oh, j'ai tout sauté. T'as sauté? Non, ah. Regardez les mecs, attention, c'est un gap. T'arrives là-dessus, c'est une autoroute, tu vois rien du tout. Et là, oh, en fait, ça passe. Ça passe, ouais. Ça passe. Ça doit faire deux fois ma hauteur. Là, ça doit faire deux fois ma hauteur, mais ça passe. Putain, la double d'après, par contre. La double d'après, elle est vénère, les mecs. Je vais les mettre au milieu pour qu'on voit la distance, quoi, mais ça a l'air d'être énorme. Ça, ça passe. Petit truc après, je pense que ça passe. Et ça, je sais pas. On verra la prochaine fois que je viens. Mais c'est énorme, les mecs. Première fois que je roule une double noire. J'en avais vu une à l'Evo Bike Park. Malheureusement, je n'avais pas encore le level. Mais quand j'y retourne, la double Black Manda, eh ben, je vous dis que je vais bien la rouler. Hein. Allez, on part. Oh, 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 let's go. Oh, c'était juste. Oh, j'ai cru que je mourrais, mec. Oh, la cata. Les mecs, j'étais venu là pour faire des repérages et aller tranquille. Je me retrouve à sauter des bosses qui partent de là. Ratterrissage là. Et j'ai ratterri roue arrière là. Plus court, c'était, bah, c'était l'OTB de la mort. Regardez, je vous montre la distance. Bah, je sais même pas si le cadre de la GoPro il prend tout. On part de là, on atterrit là. Les mecs, c'est n'importe quoi. Là, il y a un gros step up. Ouais. Donc là, t'as step up et après, je crois que tu rejoins la piste bleue ou rouge. Je sais pas du tout. Mais on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va essayer de rouler le step up. Ok, le step up, bah, il passe nickel. Et là, bah, fin de piste. Ok. Bah, une bonne petite double noire, les mecs. Oh. Donc là, moi, j'ai vu qu'il y avait 2-3 petits freerides bien engagés, les mecs. Donc là, on va les, bah, on va les rouler ça. C'est des freerides ou Mister Freeride, que vous connaissez peut-être, à rouler. Et c'est, je pense, limite à la verticale à des endroits. Donc, on va aller voir si on peut rouler ça. Et c'est parti. On est là en train... Je suis là en direction de monter pour aller rejoindre un petit freeride... Secret de Tigne. Oh, c'est une galère pour monter. Je suis obligé de porter le vélo. C'est trop pentu. Je glisse. On est face à Tigne le lac. En fait, Tigne, il y a plusieurs stations. Là, c'est Tigne le lac. Ouh. Et devant moi, c'est les falaises. Donc, faire bien gaffe.
Et là, il faut réussir à prendre le dévers. Oh, je crois que je suis arrivé, il me semble. Falaise à droite. Regardez ça. Là, l'erreur est interdite. Là, t'imagines, tu fais un tout droit, bah, tu rejoins les riders au paradis là. T'es au paradis des riders. Bon, les mecs là, vous le voyez pas vous, mais c'est ultra pentu. Il faut que j'arrive à aller là-bas. Des fois, on vous le montre pas, mais là, c'est ultra dangereux. Voilà. Et voilà. Donc là, ça descend là, tournant. Allez, go. Oh, let's go! Oh! Allez, mec! Regardez, je viens de descendre ça là. Est-ce que vous voyez un peu la pente? C'est à la verticale, mec! Oh! Oh, c'est de la balle, man! En fait, je suis descendu là-dedans. What? C'est du grand n'importe quoi! Bon, bah malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez surkiffé le bike park de Tignes ainsi que toute cette vidéo, je vous incite à vous abonner, à liker, à commenter, mais surtout à partager autour de vous, car cela m'aide un maximum. J'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est portez-vous bien. On se retrouve mercredi prochain à midi sur YouTube. C'était Rider d'Or.